Mario. Alors. Bonjour, j'espère que vous me reconnaissez. Mon très cher Mario, oui c'est moi. Viens vite au château, je t'ai préparé un délicieux gâteau. À bientôt, ta princesse Toadstool. Adieu speech. Donc c'est SPR et aujourd'hui, essayons de s'amuser et de faire en sorte que cette fois la vidéo soit bien tournée. Je ne sais pas du tout si elle paraît être vraiment tournée cette fois-ci ou non. Donc test, espère. Espère. C'est mon pseudonyme, c'est génial. Espérons. Donc, super Mario 64. Un jeu de 96, il me semble. Je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus. Mais mon ami Kenji pourra me le dire. Donc là, voilà. On peut donner commande. On doit t'amuser maintenant. Et donc on a glitch le... on a glitch le... la caméra. Génial. On commence bien. Bon, c'est pas non plus hyper dur à faire. Il faut juste passer... Parce qu'en fait, si vous arrivez sur le pont, ça considère que... Ça considère que vous allez devoir passer le cinématique de la caméra, etc. Mais tant que vous voulez passer ce pont sans être passé dessus, réellement, et là, ça suffit et donc ça nous permet donc de pouvoir continuer tranquillement notre petite aventure. Ouf. Et voilà. Donc bah écoutez, on va essayer de s'amuser. Et bah tiens, on va se mettre dans cette caméra là. Ça va être bien plus challenge, ça va être un bon challenge. Donc bah il faut faire les étoiles, hein, donc on va faire 3 étoiles, histoire 2 et puis... histoire de s'amuser aussi également. Ouh. Il me semble que si on faisait ça... Attendez, il me semblait que si on faisait... comme ça, il me faisait une vie. Alors, elle est où? Voilà, une vie. Ouh, c'était dur ça. Hein. Bah, j'avais failli réussir. J'ai failli réussir. Et bah voilà, j'ai réussi ce coup-là. Je suis épique, espère. Espérons que la suite me réussisse aussi bien. Donc en temps normal, elle devrait apparaître pas très loin l'étoile. Mais un petit peu quand même. Et voilà. Donc on a récupéré notre première étoile, c'est un miracle, ça fait déjà 5 minutes de jeu. Non, c'est pas quand même, mais bon. Peut-être en fait.
Donc on va sauvegarder et on va aller faire une étoile que j'aime tout de suite. Une étoile particulière, oui. Donc voilà, on dirige le plus rapidement ici. Alors, ces deux sauts là étaient merveilleusement bien exécutés. Heureusement que j'ai une manette quand même. Je salue Kenji d'ailleurs qui joue au clavier. Il fait un merveilleux let's play là-dessus. Il doit vraiment en chier. Voilà. Un peu de mal, mais c'est passé. Donc c'est parti. Cette étoile-là, j'adore vraiment. Oh non! Oh non, j'avais presque réussi! Oh, je suis dégoûté! Ah! Ah, punaise! Je l'avais presque réussi, là! Le merveilleux glitch! Merveilleux glitch! Cette merveilleuse façon de passer ce niveau! Ah, c'est dommage! C'est vraiment dommage! Ah, Kenji aurait été fier de moi si j'avais réussi! Mais là, là, il va être juste déçu! C'est dommage, c'est malheureux! Ah non 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 non. Bon mais écoutez, on va faire ça très bien. Ah bon, ou non, en fait on va le refaire. Plus simple. Ouh. Merveilleux cognage de dents. Cognage de tête dans les. On casse la tête quoi. On casse des dents dans le mur quoi. Non, c'est vrai, essayons. Ça, ça devrait marcher cette fois. En plus j'évite la première pièce. Ah mais c'est impressionnant comme c'est dur. C'est impressionnant comme c'est dur. Mais bon. On devrait pouvoir réussir. C'est faisable, hein. Il y a des speedrunners qui le font. Bon, je me prétends pas speedrunner de Super Mario 64, mais je pense que c'est gérable. Déjà que certains glitchs sont réalisables. Sur à peu près tous les jeux, je pense que sur celui-là, il est réalisable aussi. Voilà, c'est parti. Eh oui! Allez, go Mario, go! On saute juste avant. On va la choper. Eh oui! Oh, 17 secondes 08. 17 secondes 08, je défie quiconque de faire ce soir. Ah bah dis donc. C'est plutôt cool! Kenji sera fier de moi, finalement. Donc 2 étoiles, on va se refaire la deuxième, juste identique, sauf que je peux finir le truc le plus rapidement, pas le plus rapidement possible, je vais juste le finir. Plutôt cool, là, sauf que cette fois-là, donc... Ah, je vais mettre, ouais, je te mets au défi, Kenji, tiens, si tu regardes cette vidéo, de faire moins de 17-8. Parce que pour... Peut-être que je vais faire encore mieux, hein. Qui sait? Oh la vache, j'ai encore fait mieux là. Oh mon dieu, j'ai encore fait mieux. Wouh! Bah fait moins de 14-9 tiens. Je pense que cette fois, c'est encore bien. C'est bien joué ceci. Ouais, vas-y. Donc, c'est moins de 14-9, Kenji, je t'attends. Vas-y. En sachant que le taser fait 12 secondes 5, je suis à 2,4 secondes de plus que lui. Mais bon, c'est un taser, hein. Pas le mieux. Donc, on va faire un niveau tout de suite. Je sais plus si c'est celui-là qui est sympathique, celui de la glace. Il me semble que c'est celui de la glace, pas de la neige. Ah oui, le parfait monde de la neige. Ouh.
Ouh. Et voilà. Glissade. Eh bien, râpé. Je voulais faire... Je voulais faire comme le taser, mais... C'est vraiment dur. Pour le coup, là, le taser est vraiment très fort. Ah bon. On utilise des outils aussi pour ça. Et encore raté. Ah non! Oh, je l'ai réussi! Oh mon dieu, je croyais être mort et je l'ai réussi! Oh là 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 là! C'est merveilleux! C'est merveilleux! Comme quoi, avec de l'acharnement, tout peut nous réussir. Ah, il me semblait que oui, c'était assez dur. Mmh, c'est ça, moi j'étais presque. Aïe. Au moins ce qui est bien, c'est qu'il y a de la vie limitée. Donc ce saut était merveilleux quand même. Aïe 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 aïe. Mario, quand il veut pas faire de wall jump, il veut pas. Hein. Il a dit non, je me mets en grève, il se met en grève. Vous gratter hein, parce qu'il va, il va vraiment pas vouloir. Hein. Je pense que c'est pour ça que si vous voyez m'énerver un peu. Parce que Mario réagit assez mal là-dessus, mais c'est bien. Oh là 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 là! Impressionnant. Ce niveau va nous laisser voir ça. Un niveau, voilà un niveau record par exemple. Peut-être qu'il faut que je chope un petit peu avant parce que là, je suis vraiment à la fin du... C'est pas si évident, c'est un wall jump qu'il faut réaliser ici. En plus le saut ici ne fonctionne pas. Yes. Ah, cette vue là est horrible. Ah bah voilà, c'est fini. Ah là 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 là. Mario. S'il te plaît Mario. Ne mentez pas qu'à ta tête. Oh là là là, mon dieu! Si ça avait une étoile, si ça avait été une étoile secrète, je suis sûr qu'on aurait peut-être pas fait en première. Hein. Je sais que c'est parce que c'est la plus dure que je connaisse dans ce jeu-là. Que je ne connais pas non plus super bien sûr. Ça fait longtemps que je... Oh là 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 là, mais c'est quoi ça? C'est quoi? C'est quoi? Ah. Bon.
peut-être avoir... Ah, je sais pas comment. Oh là là, là je vais rester bloqué 10 minutes là-dessus. En plus on se mêle à chaque fois qu'on attend. Mes mains commencent à devenir moites. Je suis trop proche du joueur, je sais pas, c'est bizarre. Là c'est bon, on a réussi à passer maintenant, juste pas glisser. Allez Mario. Voilà. Ouf. Bah dis donc. Tout ça pour une ridicule étoile. Enfin bon. Mur pour rebondir. Aïe bah. Ça c'est sûr que... Pour rebondir, fallait y aller. Donc là, moi j'aime bien faire les courses. Toutes les courses, c'est marrant. Donc je vais faire justement glissade sur glace. Je crois que c'est le petit niveau qui est juste là. Voilà. Un niveau que j'adore. Qui est hyper marrant, mais hyper court. Oula! Et bah il était pas si court que ça. Une vie en moins. Allez hop Mario. Bon je pense qu'on va s'arrêter après ça, je pense, parce que ça va faire beaucoup après. Je pense qu'il faut juste faire la course et une fois que c'est fait... une fois que c'est fait on récupère les trucs. Hein. Et bah on va faire le niveau d'une façon à plat. Comme ça. Eh ben non. Ah, j'avais presque réussi à revenir dessus. Je sais pas pourquoi il a sauté d'un coup. Hein. Bon, peut-être je me suis trompé de bouton aussi. Peut-être. Alors ça c'était difficile d'organiser ça. Bon, essayons de récupérer une vie avant de mourir. Parce que
Parce que j'ai pas trop envie de faire un game over, ce serait un peu malheureux. Donc essayons de faire le niveau tranquillement. Voilà. Donc là, le petit raccourci que tout le monde connaît bien. Dans tous les cas, l'étoile est désormais libérée et on peut la choper. Voilà. Donc on va se quitter là-dessus. Hein. Allez, à la prochaine sur YouTube les gens. Ciao, ciao.